様には危害を加えないと誓いましょう。はっ、口では何とでも言えるよな。コロニーゼロの兵士は命令、それに私たちの大切重ねて御礼申し上げます。おう、なんか調子。ああそうですなら、彼らにコロニーゼロのみんなを紹介して差し上げては。了解。いや別に俺たちは。我々の間に信頼を築くにはまずお互いを知らなければ。ラギリはそれでいいの？失政官命令は絶対です。7号に意識。7号もみんなに顔を見せてあげなさい。きっと喜ぶ。それに4号も。はい。7号の補佐役です。7号の不在時には代理として指揮を。要は副官みたいなもんか。ノギリって。一部語弊がありますが。教えてくれてもよ。そのような質問を受けたけど。気づいたか。ああ、どうにも解せない失政官の態度もだが、鉄巨神だ。コロニーには。いや、そもそも俺たちの主。メビウス直轄の特殊部隊か。そうじゃないことを願うさ。実際に目にするのとでは違うな。新しいコロニーが増えたな。名前確かに覚えたよ。Attendez, il y a une coupure de stream là ? C'est revenu ? Oh là, attendez, il y a de la merde là qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que moi, OBS me disait absolument rien. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a l'air des trucs bizarres là. On va voir si ça stabilise. On dirait. Yongo, 異常はありませんか？こっちは大丈夫。発言を訂正します。4号のコンディションに。ああ、平気さ。4号はまだ戦える。ですが、7号は何も悪くないよ。敵機兵のリミッターを使わなきゃ。あ、4号。なんだ、どうした？おい、これってまさか命の火が。寒い。7号どこに。
4号は敵兵。おい、そいつ。敵兵は命の火、動力たる命の火時計が。待て。ええ、規模こそ違いますが、加えて敵兵の火時計にはリミッター。リミッターの解除。命の火を大量に消費することで。ひとたび解放すればそれこそ一騎の兵士が軍この命のもたらす力こそが敵騎兵の我々そもそもコロニーゼロとは何だお前たちは我々はいわばこの戦争の裏方です戦況の操作我々が人知れず努力を払えばこそこの戦争はすなわち世界の断りの存続そんなお題目のために彼らを結局お前も兵士の命なんてとんでもありません私は彼らの命をこの上だ無垢な命の輝きが世界に準じて一つとなり褒めてその崇高な行いなんと実にもうやめて ああこれは失礼しますそんなこともうどうでもあんたに、あんたなんかに、ナギリを大切なんて言う資格はない。今すぐあんたを倒してな。一体どうしたというのです？本気で言ってんのか、てめえ。どうあっても戦う。交渉は決裂ですか。Grand qui veut se faire taper. Et donc eux ils ont un système un peu différent dans leur colonie là. Ils utilisent ces sortes de mini. Donc les Féronis, leur mini méca là. Et ça pompe directement l'énergie du pilote. Plutôt que d'avoir un gros robot. Où tu les amènes faire la guerre pour que ça le charge. の火時計残量から判断した結果解除は7号機に限定することを提言しますなるほどあいつもしかして仲間を戦わせないようにしてんのか7号あなたの気高き命の輝きに私は敬意を表しますわかりましたでは執政官権限により命じます敵騎兵全機リミッター解除ナギリあの野郎どこまで腐ってやがる Oui d'accord, en japonais aussi ils ont fait un jeu de mots, ils l'appellent Nagiri, ouais. Donc mélange de Nana et de Nigiri. Du coup c'est pour ça qu'on a le reset. Mélange entre Ri et numéro 7.私たちが必ず助けるから名前、タ
J'aime bien le sociogramme qui se met en place pendant le combat. Ça n'a aucun sens, le combat démarre et l'autre il dit Namae. Il nous a foutu l'hémorragie là. On avait... Ouah, ils nous ont enlevé le héros, les enfoirés. Ah putain, ils sont relous. Ils ont enlevé le héros de manière complètement random et ils l'ont remplacé par aucun. Et surtout, ils te préviennent pas qu'ils l'ont enlevé, en fait. Une fois que je suis rentré dans la colonie. Y a vraiment des trucs... Y a vraiment les équipes qui dorment hein, dans le jeu. Hein. Y a par moment, un travail minimal qui est vraiment pas fait dans le jeu. Hein. C'est, y a des oublis assez invraisemblables, en fait. N'importe quel jeu on t'aurait signalé il a quitté l'équipe, bah eux non en fait, ils passent directement à autre chose. Je sais que tu étais en train de te battre mais tu vas être mon ami, ouais non mais c'était trop sale, le début c'était vraiment bizarre. Mais c'est vrai que ouais ça donne des trucs un peu débiles là. Bon c'est pas très grave hein. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange. La manière dont c'est fait, quoi. Et quand on est arrivé dans la colonie, en fait, t'as un message quand quelqu'un rentre dans ton équipe, par contre, t'as pas de message quand il te l'enlève. Après, si ça se trouve, ça a même pas été bien pensé, hein. Ils ont peut-être même pas fait attention. Ils devraient demander, en fait. Bon, ce qui est pas très grave. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant donc comment fonctionne ce jeu quand même par moment.
Ah, c'est bien deux équipes numéro 7. Et hop, combat terminé. Du coup, après, on va se battre contre le consul ou pas? C'est elle qui va tuer le consul. Mais il est vraiment mauvais celui-là, consul. Bah elle a une affinité, elle. Ok, donc elle, la colonie Zoro, il y aura des quêtes. Sissekan no senshi niyori, colonie Zero no ima no 7 gou ni wa mou watashi tachi to tatakau. Desu ga 7号がウロボロスに、7号は相応の処罰を。ナギリは何も悪く、感謝。だってナギリはあの時、ナギリが踏みとどまってくれたから。それよりも、不可解です。え、なぜそのように7号と、なぜ7号、速やかな回答を願います。ナギリ、quoi, pas de punition? Ouais, elle est déçue. Quoi, j'aurais pas le droit à mes coups de fouet? Remboursé. Je vais en chier, moi. なら一緒に考えようよ。それは命令でしょうか。ううん、もう誰もあなた、これからはナギリが。それはもはや命令。やはり不可解。不可解ではありますが、
Nagiri が7号に目そのように解釈すればおかしい。うん、だって Nagiri はそれでまず優先すべき。そういうことはなんだって。うん、なんでしたら。うん、何？Encore faim ? ところで、あの敵兵だけど、やっぱりもう否定します。エーテルシリンダーを応用した代替動力に切り出力は。Ah, heureusement, on peut mettre des cylindres d'éther pour que le robot fonctionne. Hop. Machine à tuer. Machine à tuer.Je suis en train de chercher parce que là il y a numéro 6, numéro 10, oui, numéro 8. Je trouve pas numéro 8. Alors, voyons voir, est-ce que ça vaudrait le coup que Sina apprenne ces trucs ? Attends. On va enlever ça.Ah, ça fait descendre les stats de coups critiques. Par contre, c'est marrant parce qu'en tactique, ça a aussi. Pas en attaque, en tactique. Alors, le vrai problème, c'est que. Fais voir ce que ça donne comme art. C'est vraiment ça le souci. Ah ouais, parce que le problème, c'est que ça a aucun art ce truc. Bon, je peux garder. Faire quand. Qu'est-ce qui se passe quand je mets en automatique ? Ça change rien. Il faut que je configure ça moi-même. Augmente 35% des dégâts infligés. Augmente les coups critiques et les esquives. Et à la défense physique. Diminution de la défense physique. On va quand même plutôt mettre des équilibres. Ah. Ah oui, attends, ça va sur celui-là, c'est ça. Vous ne pouvez plus mettre d'art lié au positionnement. Attends, mais c'est quelle autre art qu'elle a de positionnement ? Ça, je peux mettre, mais je peux pas lui mettre au moins des équilibres. Ah, mais c'est nul ça. Pourquoi elle peut pas avoir de positionnement Ah, parce que là, elle me sert vraiment à rien comme ça. De 85% les chances de rendre imparable, moins de 60% les dégâts infligés en attaquant un ennemi affecté d'un handicap, accorde 40% résistance à tous les handicaps, au moins de 25% les dégâts infligés à chaque handicap infligé. Mais après c'est un truc un peu particulier aussi. Hein.
résistance, inflige, handicap. Ouais, d'accord, ça met des handicaps aléatoires. Alors, ce qu'on va faire, vu que la classe n'a pas l'air extraordinaire, je pense, à jouer comparé à ce que j'ai mixé déjà sur Senna, ce qu'on va faire... On va tout simplement faire ça. On va déjà en mettre 5. De toute façon, Senna, il faudra que je continue de lui faire monter les autres classes, donc on verra bien. Mais je vais pas changer mon équilibre pour ça, hein. C'est pas très très intéressant. Attends, j'avais pas un perso à aller revoir, juste vite fait. Ouais, c'est lui, on peut vraiment aller lui mettre lui avec cette classe-là, ouais bon. Ah, la S en soin, ouais. C'est une des classes qui soigne le mieux. Bon, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, on aura débloqué. On aura débloqué toutes les classes. Ouais. Enfin, on a trouvé toutes les classes. Après, on les a pas toutes maxées, mais on les a toutes trouvées. Donc, ça, c'est déjà ça. Ensuite, donc là, on va aller faire... On a cette quête à aller faire. Et je vais aller checker, justement... Alors, la colonie, je sais plus où elle est. J'ai toujours du mal à la trouver. La colonie, c'est quoi? C'est Gamma. Et la colonie Gamma... On va avoir toutes les classes débloquées. Et je me souviens jamais où elle est. C'est le problème. La carte qui est là, elle correspond pas tout à fait. Donc c'est plutôt sur la partie haute de la map, mais c'est pas dit. Parce qu'elle est légèrement décalée en fait, la map, là, par rapport à ce qu'on voit. Je sais plus si c'est à Essia ou pas, la colonie Gamma. Et ils ont eu la très bonne idée de pas mettre de trucs directement dans les colonies. Si, c'est ça, c'est bon. On va voir où ça en est, ça, là. Entre, ils les ont pas rangés dans l'ordre, merci. Là aussi, le choix est très étrange. Je sais pas comment ils les ont rangés, les points, mais au lieu de les mettre les uns derrière les autres, tu passes par-dessus du dessous, ensuite celui du bas, et puis l'autre qui est complètement à côté, mais tu sais pas pourquoi ça fait cet ordre-là, alors qu'ils sont plus éloignés géographiquement. Est-ce qu'on a... Non. Toujours pas. Ok. Alors, donc ça c'est la colonie Gamma, est-ce qu'il y a une autre colonie à aller voir ici? Colonie 9, on fait un petit tour des colonies là tant que j'y suis. Ah, formation. Oula, caméra. Oui, jolie colonie de vacances. Ouais. Tiens, il y a toujours un conteneur que j'ai pas récupéré ici. Ça drop? Non mais moi je dois avoir un problème parce qu'OBS il me dit rien. Je sais pas ce qui se passe. Mais il a mis à avoir des soucis parce que tout à l'heure visiblement, je sais pas, ça a coupé, c'est revenu, mais j'ai pas compris parce qu'OBS ne m'indique absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, ça a droppé à l'instant, ouais, mais moi j'ai rien, alors je... Je sais pas ce qui se passe, mais bon, je veux bien de croire que ça bricole. Mais je sais pas d'où ça vient. Oula, c'est l'orgie là. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui s'appellent URL. J'ai oublié.
Ah, pénurie de nourriture. Eux aussi, ils ont connu la pénurie de moutarde. Municipolux. Alors attends, c'est quoi là ce conteneur là, il est où? Alors il est pas en bas, il est pas à ce niveau. Ah, ici dialogue. Ah, aussi ici. Ah, il y a des gens à qui j'ai pas parlé. Il faut que je parle deux fois aux open. Mais il y en a partout là, et ils se sont vénères en termes de dialogue là. En même temps, ça fait un moment que j'y suis pas retourné. URL ou Pousa Web, Isur, de nombreux enfants, Mozilla, Chrome, Safari. Mais il y en a combien là? C'est pas possible. En même temps, je crois que ça fait, je sais pas, c'est peut-être 50 heures que j'y suis pas retourné dans cette quoi. Ils disent un monstre et ils te montrent une grande photo de la Pix. Tu n'es pas du tout impressionné, tu dis la Pix. J'en ai défoncé 20 déjà. Y compris en monstre unique. Est-ce que c'est bon? Alors, où est ce conteneur? Il est sur le robot? Dans le robot, il y a un ascenseur? Et il y a des échelles en même temps. Hein. Oh, attends, fais voir. Comment qu'on grimpe? Ah, il est à ce niveau. Alors. Ok, je le vois. Hop. Voilà, deux nopon argent, quelle générosité. On n'en demandait pas tant. Oui, tiens, d'ailleurs, il y a des trucs que j'ai pas du tout explorés là. Bon, ça c'est là que j'ai pas été voir le bord de la map. Il y a une petite flûte en plus. Celui-là, je l'ai fait. Ouais. Ah bah peut-être parce que j'étais pas arrivé à monter. Si, mais attends, pourtant je dois pouvoir là. Non.
Il y a quand même des phases de plateforme, tu te demandes si c'est prévu ou si c'est un peu n'importe quoi. C'est vraiment toujours étrange là. Il y a un fragment en haut. Ouais, ça me donne que je réussisse à y aller par contre. Au moins que je puisse grimper par là-bas. Oui, c'est marrant, pourquoi j'y ai jamais été là, j'ai pas fait attention. Au aspiré par l'histoire sans doute, je vais pas bien explorer. Pas été exploré là. Hop. Voilà. Voilà, comme ça là on a tout. Ah, il reste ici. Faire de là. J'aime littéralement les monstres de ce jeu qui chient des objets. Je crois que je suis à fond. Hein. Non, j'en ai dépensé. Ouais, c'est marrant que je suis pas venu ici. Hein. Allez hop, celui-là aussi. Dans l'escarcelle. Là on a fait toutes les... Il n'y a que Gamma ici comme colonie et la 9. Ok. Bon alors attends, on va aller à un camp, peu importe. Ah attends, je vais passer par... Ici... Je vais aller profiter pour aller chercher le menu que j'aime bien. Je fais le point. De faire... De traiter ces quêtes là, vite fait. Donc là, il manque de nourriture pour la colonie 9. Il y a quelqu'un qui pille la colonie, visiblement.
Donc là, il y en a une qui est partie avec un Levenis pour la récupérer, on ne sait quoi. Là, il y a un lapix qui fait chier. Ah bah non, ok, non. Le manuel d'Agnos. Plaine de la calamité. On y a déjà été. Hein. C'est espèce de grand, enfin c'est le grand champ de bataille là, tout du début du jeu d'ailleurs. Bah ok. Ça par contre ça va être une quête. Il y en a deux qui se foutent sur la gueule. Secret partagé. Avenir de la colonie 0. Là on retrouve Risette. On va l'appeler Nagiri. Hein. À la recherche d'un foyer. Voilà. Le menu. Une petite save et c'est parti pour la fête des quêtes. Ah oui, il y a des quêtes. Les quêtes, elle est niveau 30. On sent que je l'avais laissé passer celle-là. Ouais, mais j'ai jamais dû retourner dans cette colonie en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais la colonie 9, j'ai dû jamais y retourner. En même temps, c'est une colonie vraiment du tout début du jeu. Donc si vous y retournez pas, vous débloquez pas les quêtes annexes. Ouais. C'est discret avec le robot qui se déplace avec nous. Donc là, ils se sont mis sur la gueule avec Eastman, avec Cartman. Le robot qui arrive, qui se pointe comme ça en plein milieu. Hop, alors ensuite, c'est où? Bon, on peut peut-être faire ça.
Donc ils ont parlé à Lenny, maintenant on parle à Ilys. Elle a pas une quête en plus ? Parce que là c'est pas sa quête à elle. Donc je vais taper quelques... amis opulents. Je pense que ça va faire longtemps que j'en ai pas tapé, ça, je sais même pas si... Je suis... J'ai pas déclenché le temps de... Ah ouais! Bon alors attends là-dedans je vais à peu près tout prix là. Ok, ça c'est un cramo bar. Ok. Juste taper 2-3. Oui c'est ça l'autre quête, ça doit être celle d'Ailis là, celle qu'on voit affichée sur la map. Bon bah y'a. Une quête ma foi compliquée. Bon attends, j'en profite pour parler à elle. Je sais même pas si c'est cette quête là qu'on est en train de faire. Ah bah si. C'est encore la vendeuse là ? Non, c'est l'intendante cette fois-ci. Il faut que j'achète des trucs là, qu'est-ce que c'est ? Ah mais non, c'est pas elle, ok, je me dis qu'il s'y passe. Ah mais non, mais j'ai fait la quête d'Ailis en fait. Pourquoi j'ai déparlé? Ah oui, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Bon, peu importe. On est en train de faire deux quêtes à la fois, tout va bien. Attends. Là, il va parler... Ah, Eastman, l'homme de Pâques. On voit un Camille brillant. Je vois un Pokémon Shiny devant moi. Voilà. Je l'ai évidemment immédiatement capturé. Voilà, c'est pas une bonne idée là de sortir les armes, hein. Vous êtes sûr là ? Je sais pas. C'est audacieux de votre part, hein.
Ce carnage. J'aurais pu ne pas participer au combat, ça n'aurait pas changé grand chose. Ça c'est fait. Un métabolisme affaibli, c'est là, c'est toujours pas l'affaire. Alors, devoir. Mince. C'est toujours bizarre, c'est jamais les mêmes boutons. Quand t'es dans les menus. Ouais, c'est loin, ça charge. C'est quelle colonie, ça? Ah, mais c'est... Ah non, attends, c'est laquelle, ça? Non, c'est pas la même... On reconnaît même plus les colonies. Ah, c'est la lambda. Elle s'est fait marcher dessus par un chat. Elle laisse des traces. On va les aider à combattre.
Alors qu'est-ce que fait Risette? Multiplie par 150 les PT si elle termine l'ordre d'attaque. Ouais, c'est du poison. Hein. J'imagine qu'elle peut faire enfin, handicap, j'imagine poison, hémorragie, enfin, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même. Ça va compléter sans doute. Ah bah non, parce que je me suis planté en plus. Bon, de toute façon ça aurait complété. Ok, dans ça. C'est pas très grave. Ah, je me suis encore planté. Putain, mais décidément. Ah ouais, je confonds les deux persos, en fait. C'est pas très grave, putain. Je suis bien réveillé. Voilà. Mieux quand je me plante pas. J'ai pas dû les mettre sur les mêmes touches, parce que chaque fois, je me plante pour trouver la chute. Complètement la tête dans le fion. Ok. Je vais juste aller taper cette grenouille là qui a l'air de donner des trucs. Elle croyait de prendre une petite un petit sauna là, elle faisait un petit spa tranquille. Bon, ça c'est fait. On les a aidés. Et visiblement, il y a un autre truc. Oh, putain, qu'est-ce que... Ouais. Ça c'est vraiment une idiotie aussi, le point de la quête qui est en priorité.
alors que tu peux rien en faire, tu peux pas te TP dessus. C'est ça aussi, c'est un truc. En fait, tu peux le sélectionner, mais comme tu peux pas te TP dessus, il sert absolument rien. Il y a des petites erreurs comme ça, assez inexplicables. Tu te dis, mais pourquoi ? Je veux aller à la cantine, mettez-moi la cantine, puisque quand j'ouvre la map, c'est les points de TP qui m'intéressent, que je vois là où je dois aller. Ok, pas de souci. Par contre, mettez-moi les points de TP en priorité. Il y a vraiment des choses qui semblent ultra logiques, bah pas pour eux. Hein. Alors encore, t'arrives à retrouver ton point, mais t'es obligé de secouer le curseur ou de zoomer, enfin c'est pas non plus idéal. Hein. C'est quand même très étrange parce que cette map te sert qu'à ça en fait. Ouais, un peu à te repérer évidemment, mais surtout à te TP, donc je vois pas ce qui s'est passé pour dire bah tiens on va en faire un point qui est sélectionnable. Mais du coup, on peut rien en faire. À la limite, ça te ferait un TP. Bon, ça serait trop beau. On pourrait comprendre, mais là, je comprends pas, en fait, qu'il soit sélectionnable. Ça devrait être directement le point de TP le plus proche. Parce que du coup, il nous embête. Je comprends que ça soit pour situer où c'est. Mais par contre, que ça soit attrapable par le curseur, ça m'échappe. Ça va être une mission un peu plus longue, ouais, je pense qu'il y aura plus qu'un assaut. Voilà, quand évidemment le point, il n'y a pas de souci quand il n'est pas sur un camp, mais quand il est sur un camp, ça aurait dû soit faire le choix de dire « Ah, attention, s'il est un camp, bah tu le décales. » C'est ça, il faut les buter, non ? Bon, c'est parti. Laissez-les-moi. Ils ont quel petit lourd là ? Je vois même pas c'est lequel que je tape moi. Rien que ces curseurs. Alors, le curseur répond pas, hein. Il y a pas un moment tu lui dis bon, je peux rien faire. D'accord, on devait pas pouvoir le loquer, je pense, avec 3 ennemis en fait. Mais en sachant qu'il y a une petite latence dans le curseur quand tu essaies de changer d'ennemi, ce qui est pas super agréable, des fois t'as l'impression que tu l'as pas fait, en fait si, mais le temps qu'il arrive... Ça a jamais été aussi difficile de choisir l'ennemi que tu veux attaquer dans un JRPG en fait, parce que là du coup t'appuies sur la gâchette, mais des fois, alors déjà tu sais pas ce qu'il va cibler, parce que des fois visiblement il cible rien. Et en plus il vient pas, enfin je sais pas, ça arrive pas tout de suite. Ce qui est un petit peu dommage. Hop. Et puis encore une fois, là en plus, le design du combat avec petits ennemis plus gros ennemis, je vois absolument rien en fait. C'est vraiment un des cas où c'est pas très intéressant parce que tu vas pas voir les ennemis à taille humaine au milieu des gros robots. Donc là, l'autre, elle a donné des informations à l'ennemi pour qu'il se fasse mieux attaquer en donnant les points faibles de la colonie. Tout ça pour amener la colonie à adopter des bonnes stratégies et d'être efficace. C'est la colonie d'Isurd, hein, donc anciennement... oui, c'est... Attends. Ah non ! Non, pardon, c'est la colonie d'Isurd. Pas celle des Selles. Les Selles, c'est Borealis, mais non, je crois qu'il est... le commandant. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes à qui parler ? Ah, il y en a un là. Ah, normal, il était dans la quête juste avant. Ok, ensuite.
note. À la recherche d'un foyer. Bah écoute, c'est parti. Donc ça c'est la colonie 0. Petite save. D'accord, donc là faut qu'on aille par la Gondor. Il permettra aussi de faire un tour du château d'Agnas. Je crois que c'est au château d'Agnas maintenant qu'ils ont. Mais c'est pas à la cité qu'on devait aller ? Je pas suivi, moi. Je crois que c'est à la cité qu'on devait discuter. Ah ! Petite information ici. Hop, pic d'activité, je check un peu vite. Là c'est pareil, on n'a pas complété énormément de quêtes de cette colonie. Partie des colonies. On n'a pas foutu grand chose. Évidemment, elle a des problèmes à part. Donc elle accepte de nous aider si on l'accepte de l'aider. Je ne sais pas comment on va ici. C'est où? C'est... Ah oui, c'est dans la prison. Ah, je peux pas me TP? Ok. Donc je suis obligé, j'imagine, de passer par là. Ah, je peux pas me TP parce que je suis obligé de parler à elle, c'est ça? Ouais. Sans doute pas que ouais, j'aille à la prison. On passe, enfin, j'imagine, enfin, c'est toujours le même endroit qui, ouais. J'imagine que je peux toujours pas. Ouais, c'est marrant ça. Alors, c'est que le camp de la cellule n'existe plus en fait. Techniquement, ils acceptent plus qu'on y aille. Enfin, c'est marrant avec le robot, on a l'impression qu'on se déplace plus dans l'équipe. Alors que c'est juste une impression, hein, parce que. Le robot change rien. Je pense que c'est à cause du bruit qu'il fait. Ouah, ils reviennent les points de... les grenades. Par contre, j'aimerais bien savoir quand est-ce que ça revient, tous les chapitres. Ça vaut le coup... Attends, faut que je mette un marqueur, là. Je peux mettre plusieurs marqueurs. Donc attends, c'est quelle zone? C'est le nord de Cadencia, ok. Et en même temps, c'est normal qu'il y en ait ici, puisque c'est une région de Cadencia. Il faudrait que je sache tous les combien ça revient, ça. Est-ce qu'il faut faire passer 24 heures? Ouah, attends, il y en a un autre ici? Sérieux? Qui c'est que ça? J'ai jamais eu autant. Il y a un petit côté aléatoire, non, leur truc, là. Attends, je vais passer ma tête des fois juste à l'extérieur, on sait jamais. Hein. Mes giga-grenades.
Non, il est quand même pas là. Le problème, c'est qu'il faut être relativement prêt pour qu'elle se déclenche. Non, il n'a pas l'air. Enfin, c'est surtout que ici... Attends, c'est quoi le point de TP le plus proche de cette zone-là? Ah bah si, j'en ai un juste à côté. Pénitencier, porte de fret. Ok, faut que je retienne ça. Pénitencier, porte de fret. Mais après, je sais pas si ça revient parce que j'ai changé de chapitre. Ou si c'est une autre condition qui fait que ça revient. Ça revient. J'ai dit, elle est là maintenant. Hop, c'est l'Evnis qui va être réparé. Elise qui a revu... Manois, je sais pas, trop comment prononcer ça. Mais c'est pas le même. Regarde du coup hein, s'il n'y a pas d'autres grenades, on sait jamais. Ah! Ah non mais ça n'a rien à voir ça. C'est quoi ça? Alors ça c'est pour une autre quête ça. Je sais pas ce que c'est mais... Les pierres caustiques. Vous êtes caustique comme dirait monsieur Preskovic. D'où ça vient ça? Comme j'ai dû... Toutes les quêtes qui se font en une fois, tu sais. Là on fait de la récup donc ça va être pour lui non les trucs là. Pierre caustique. Pierre caustique. Il doit falloir, autre chose. Attends, il y a d'autres trucs là-bas, non? D'abeilles titan. Ah mais elle nous aide aussi à collecter elle. Bon ça va plus vite. Elle nous aide évidemment parce que... Elle a revu...
reconnaissance. Attends, par contre, faut que je retrouve le mec. Ouais, je crois qu'il est là-bas. Étant donné que je suis pas en train de suivre cette quête. D'accord, non, c'est pas là que se complète la quête. Ok, lui, c'était juste un point. Bon, on verra bien. Hop. Alors là, j'imagine que je peux toujours pas y aller. Non. Ok, donc je suis obligé de suivre le chemin. Ça arrive jamais lui. Wouah. Il envoie la max. Ah ouais. Bah lui il donne des objets hein. Il fait ce qu'il faut lui. Quelle générosité. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on pouvait pas se TP dans la prison, c'est parce qu'il y a une grosse porte bien fermée. Ce qui expliquerait des trucs. Filtrez-vous par l'accès de l'aération. Oh là. Il me montre que vous êtes sur une carte ou pas du tout. Ouais non. Obligé de suivre le. Je tape un comme ça là. Hop. Garafa. Wasabi étourdissant, oui, oui. Ou qui arrache la gueule également. Est-ce qu'il va rusher les objets, lui? Il reste devant lui. Parce que lui, il déconne zéro, hein. Je vais laisser un fragment sur la route. Ah non, c'est les... Ah attends, ça c'est un objet... D'accord, c'est les objets... Qu'est-ce qui me manque encore? Ah, il manque du beau Mésia maintenant. Ça c'est toujours la quête, mais comme je sais pas ce que c'est que cette quête... Donc il y en a un qui a dû en trouver pour nous, voilà, hop.
Il vit bien sa réinsertion. Ouais, là on a peut-être tout. Attends, je vais quand même aller voir ce que c'est cette quête là parce que. C'est quoi? Attends, c'est pas ça. Le métabolisme. C'est pas ça. Table de Mishima, trop de rencontres fortuites. Ah si, ça doit être ça, ouais. Ça doit être rencontre fortuite. Ok. Bon, on verra bien. De toute façon, si c'est dans la zone, là, j'aurais pas de mal à me TP. De toute façon, elle est là, là, fais voir. Qu'est-ce qu'elle me dit, là. Si je passe vers elle. Il y a tout. Pour reconstruire le Levenis. Réparation terminée. Salut Jean-Éric. Donc là, est-ce que ça va suffire à compléter cette quête que nous ne suivons pas? Oui. Je sais pas pourquoi c'est une quête de niveau 60, hein. Donc c'est juste des trucs à ramener, en fait. Donc ça, c'est fait. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'arrive pas à lui parler. C'est quoi? C'est encore une giga-grenade, ça? Ah, c'est pas possible, ça foisonne ici. C'est ici qu'il faut toutes les récupérer, en fait. Comment ça se fait que là, en si peu de temps, j'en ai récupéré 4 ou 5? Ah, on manquera 4. Ah bah, il y en a même une autre qui est réapparue ici. Hop, il n'en manquera plus que 3. Ok, bah, faut vraiment revenir ici. Hein. Alors, attends, par contre, je suis plus du tout... Si, c'est bon, je suis sur le chemin de la quête. Non, il n'y en a pas là. Regarde, sait-on jamais. Là-bas, c'est de l'éther. Est-ce que ce Xenoblade se révèle un peu finalement? Oui, alors il y a... Là, on a passé... bon, j'ai fait beaucoup de quêtes annexes. On a passé le chapitre 7. Il y a quelques révélations pour connecter, on va dire entre guillemets, avec le précédent. Mais on reste quand même sur une... Sur, toujours à peu près sur la même thématique. Les quêtes annexes amènent un petit peu d'exploration, mais on s'est aperçu que... Alors, je sais pas si c'était le cas dans le précédent, mais qu'ils ont la mauvaise habitude en fait de laisser explorer des endroits, et en fait il y a strictement rien quand tu y vas, et en fait c'est la quête une fois qu'elle est activée qui se passe au même endroit où toi la première fois t'étais passé, il y a rien, et du coup là à partir de ce moment là tu vois des trucs, du coup c'est un peu bizarre parce que tu te rends par exemple dans un endroit qui est une caverne où toi tu dis tiens pourquoi ils ont mis une caverne là vide, et en fait c'est une colonie, mais sauf que tant que la quête est pas activée, bah y a personne. Y a même pas de colonie en fait, en vrai. Donc c'est une manière assez bizarre. Ou alors ils vont mettre une sorte de porte qui pour toi est un mur la première fois que tu passes. Et une fois que la quête est activée, ça devient quelque chose qui va s'ouvrir et tu vas pouvoir rentrer dans le bâtiment. Mais de prime abord, pour toi, c'était même pas un bâtiment où il y avait une porte. Donc c'est assez étrange des fois la conception qu'ils ont fait. Ce qui rend un peu amer l'exploration, ça veut dire qu'elle fonctionne que réellement par l'activation des quêtes et que tu vas pas toujours être récompensé à explorer par toi-même et qu'il vaut mieux attendre que les quêtes t'amènent à l'exploration, ce qui est un petit peu dommage.
Sachant que cette exploration-là, en plus, commence assez tardivement dans le jeu. Parce que y a souvent aussi un autre phénomène, c'est qu'on te met des murs invisibles. On te dit pour pas que tu rates un truc important de l'histoire. Et ça, c'est un peu aussi dommage. Donc c'est... Bon, voilà, c'est particulier, quoi. Mais après, niveau thématique, on n'a pas tellement évolué. Hein. Pour le moment, ça fait un moment qu'on avait compris... Attends, je comprends pas où c'est qu'il veut que j'aille, là. Infiltrez-vous, parlez... Ah, il faut que je prenne le bateau ? D'accord. Ok, donc c'est par l'extérieur... Ah oui, c'était... D'accord, oui, c'est l'endroit par lequel on est arrivé dans la prison. Ok, c'est ça qu'il veut que je fasse. Je vais chercher mon bateau. Je n'ai peut-être même pas besoin de plonger pour aller au bateau aussi. Bah oui, oui, c'est qu'ils ont fait un choix. Alors, je pense que ça vient de limitations techniques aussi, du même qu'il y a des zones de chargement dans le jeu. Par contre, je sais pas où tu veux que j'aille là, parce que t'es pas clair. Ok, si, ça y est, le trait a apparu, mais il disparaissait. Mais c'est surtout qu'on n'avait pas ça dans le précédent, en fait. C'est un peu étrange ce qu'ils ont fait, mais bon. Mais dans l'ensemble, il est assez agréable, le titre. Là, on a débloqué toutes les classes. Enfin, débloqué. On a trouvé tous les héros dont on peut apprendre les classes. On a dû récupérer toutes les compétences, d'ailleurs, aussi, au passage. Je pense. Je vais pas vérifier, mais... Ouais. Là, on a toutes les compétences de terrain. Bon, ça, c'est pas tout maxé, mais... parce que ça, après, ça vient uniquement des quêtes. On a quand même débloqué une bonne partie. Et bah merci d'être passé faire un petit coucou. Bonne soirée à toi. Non, y'a rien ici. Je venais voir, non, y'a rien. Ah, c'est marrant, ils nous refont faire un endroit qu'on avait déjà en effet parcouru. Ah, le Popols là. Bonne soirée! Hop, un petit peu d'éther. Non, c'était je voulais prendre l'éther, pas sortir mon arme. Merci. Je sais que c'est le même bouton, mais on se concentre le jeu. C'est marrant d'avoir que l'ennemi là soit pas activé, j'ai pas dû passer devant. En fait, ces ennemis s'activent que si vous passez sur la tête en fait. Si vous passez dans son dos, il s'active pas. Mais alors, vu que c'est un rocher enfoui dans le sol... Il est où le cucul ou la tétette, c'est pas toujours facile à identifier, hein. Par te connaître par cœur. Voilà, c'est vraiment la quête à rallonge, pas très intéressante, puisqu'en plus vous pouvez pas vous TP à cet endroit. Avec la porte de la prison fermée là. On préférait encore quand on faisait des zones guerrières. N'hésite pas à se casser la gueule aussi, parce que sinon on va tout refaire. Parce que je rappelle qu'on ne réparait pas là où on meurt. On réparait au dernier point de TP. Nous y sommes. On n'en est pas loin. Une grimpette. Ah bah si, il y a un point de TP. Je me souvenais pas qu'il y avait un point de TP juste devant. Ça, j'avais oublié. Donc j'aurais pu aller un peu plus vite.
Mais alors, le temps de le trouver sur la carte, c'est pas dit que j'aurais été plus vite. Hein. Évidemment, c'est pas juste à côté du point d'intérêt. Ah, j'ai... Non, c'est bon. J'avais une disparition de l'interaction. Il n'était pas facile. Ah, ça nous amène à un nouvel endroit, du coup. Cet endroit-là, la prison, on n'y avait jamais été ? Ok. Le robot qui était déjà là. Par où es-tu passé ? Alors, il nous attaque pas, parce qu'évidemment... Ah, si, ça y est. C'est quelqu'un qui nous attaquait ? Même s'ils auraient mieux fait de pas nous attaquer, mais bon. C'est aussi on nous attaquer. Hop là. Allez, tout groupe là. Ah bah. Ils vont nous y emmener. Faites péter. T'es où ? C'est où, c'est où, c'est où, c'est où ? Un chef qui passe un seul quart d'heure. Hein. S'est débarrassé du gardien chef enragé et a repris le contrôle du pénitencier. La colonie Zero peut à présent enfin s'y installer.
Donc eux, ils vont vivre ici maintenant ? Ça veut dire qu'il faudra venir là. Ah ouais, ils ont une cantine et tout, d'accord, donc ça va être ça maintenant, la... leur zone. C'est quoi le repas de cette cantine d'ailleurs ? ...40% amélioration du butin, on s'en fout mais on le prend pour l'apprendre. Je crois que d'ailleurs il y a un repas que j'ai pas appris. Même que j'ai pas pris tous les repas de toutes les colonies. Parce que je suis pas sûr que la dernière colonie que j'ai faite, déjà j'ai pris un repas à la cantine. Quand les repas m'intéressaient pas... Je le prenais pas. Alors attends, qu'est-ce qu'on a là ? Une d'activité. Et où d'ailleurs la quête, pic d'activité. Ah, trop d'agitation, 60. Donc ensuite on a une quête avec Triton. Retourner ici. C'est encore la cuisine là ? Ah non. C'est dans le restaurant mais c'est pas la cuisine. C'est pour sceller son amitié avec les Nopon. Ça me semble d'ores et déjà une quête. Il semblerait que la colonie 15 ait quitté la cité. Aurait une idée de l'endroit où ils sont allés. Ah oui, non, c'est vrai. C'est les hommes de Triton qui sont livrés à eux-mêmes et qui donc gèrent toute la colonie puisqu'il est parti, lui. Je rappelle au passage que c'est un Moebius, hein, Triton. Comme si ça se lit pas pour son visage. Ok, donc ensuite... Nagérien. Ok, région de Candencia. Ça c'est le port. Ça. Ah non, c'est l'endroit du sous-marin là. Mais attends, c'est pas là d'ailleurs on est censé aller pour l'histoire principale. Ça va pas se... Non. Si. Est-ce qu'il y a un point rouge sur ma map ? Ça va pas se télescoper. Non, il n'y a pas de point rouge. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ça doit pas être exactement là. C'est pas loin, hein, mais ça doit pas être là. Parce que ça, malheureusement, hein, ça peut arriver. Hein. Vous êtes en train de faire une quête annexe. Et le jeu, on n'a rien à foutre. Il va vous balancer... Alors, il peut vous balancer, d'ailleurs, le trigger d'une autre quête annexe. Ce qui fait qu'on comprend plus rien. Parce que du coup, on s'en dit, mais... Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce que si vous avez plusieurs quêtes annexes qui sont sélectionnées mais que vous n'avez pas encore réalisées, bah évidemment elles se croisent, mais aussi évidemment l'histoire principale. Du coup c'est un bordel sans nom parce que même moi le premier, quand j'ai joué au jeu par moment, je savais plus ce qui était de la quête annexe du scénario principal et du coup ça peut induire en erreur en pensant que des fois... une quête annexe c'est du scénario, mais non, en fait c'est que la quête annexe est à côté d'un point trigger du scénario et du coup tu te prends cette cinématique là en priorité, en règle générale en plus, pas être sûr de pas la rater évidemment, mais tu comprends plus rien parce que toi t'es en train de suivre la quête annexe, du coup tu te prends une cinématique de l'histoire principale, tu te dis mais attends, qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est un endroit, d'accord, donc c'est un endroit auquel je n'ai jamais été.
Est-ce que j'ai une île? Ouais, c'est pas si loin que ça si je prends le bateau d'ici. Je suis là, hein. Ouais. Je veux partir avec le bateau d'ici, hein. Go bateau. J'ai bien sauté dessus. On est pas obligé hein, de sauter dessus pour embarquer, mais c'est marrant. Alors, ça met 3 km, mais en vrai, avec le bateau, ça va vite. Hein. C'est pour ça que j'ai pris le bateau directement ici, parce que... Plutôt que d'aller rechercher sur une côte... Parce que le bateau vous suit quand vous vous TP en Cadencia. Mais vu comme il trace... Ouais, les serpents, j'arrive pas à trouver celui qui donne le loot qui va bien. Peut-être un serpent avec des flammes bleues. Ou un... qui brille. On va avoir un truc avec les serpents. Pour avoir un filet bien gras. Île de la grotte piégée. Donc une île de Cadencia que je n'avais encore pas découverte. En même temps, c'est une des zones, je pense, la plus gigantesque du jeu. Hein. Elle est vraiment très très grande, cette zone. Oui, c'est vrai que la première fois qu'on rencontre lui, c'est une chasse au trésor qui nous fait faire. Putain, d'ailleurs, j'avais complètement oublié. Ils ont rien caché là derrière. Ah, c'est un truc avec des énigmes, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une, c'est la deuxième qu'on a, je crois. Ah, les énigmes, attention, elles sont violentes. Hein. Capcom ne peut qu'aller se rhabiller. Alors attends, celle-là... tourner à gauche... Non, je comprends pas ce qu'il veut que je fasse là, 3... Ah oui, ok, j'ai compris. Mais tant que t'as pas tourné, de toute façon tu vois pas le motif, donc c'est pour ça que je risquais pas de comprendre. Oh, faut que je fasse gaffe parce que ça donne des nopones or ça. Ouais, alors attends, je suis à combien? 79, ouais, par contre si ça m'ordonne une volée derrière, faut que j'aille les dépenser parce que... Montrer une petite gemme. Donc là il y en a deux mais ça va pas. Et j'imagine que là il y en a trois. Non. Hop.
On va avoir un petit combat là. Ah non, il faut creuser. Ah non. Ok. On va trouver le trésor. Je pensais qu'on allait être embêté. Ah bah j'étais à fond l'éther, ça sert à rien. Alors, je ne sais toujours pas à quoi servent ces fragments, hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. Fragments que je récupère depuis le début du jeu. J'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Ouais, ça va, j'en ai pas trop récupéré de nos bonheurs, là. Combien? 80, ok, ça va. Mais il faudra quand même qu'au cas où j'achète une gemme, parce qu'on sait jamais. Hop! Ça sert à rien, après, je vais les revendre. Ça n'a aucun intérêt. Alors là par contre, ouais, là ma connexion se casse la gueule. Et violemment, hein. Ouais, je pense que on va peut-être... ouais, on va arrêter les frais, on va s'arrêter là en fait. Parce que vu comment c'est parti, juste save. De toute façon, ça fait un petit moment qu'elle s'est cassée la gueule, j'avais pas fait gaffe. On ira ça la semaine prochaine. Hop! C'est là, ça commence à se casser la gueule, et de toute façon, on avait quasiment fini. J'ai juste complété la quête, mais c'est pas bon signe, là. Merci d'avoir suivi ce stream. Je vous souhaite un très bon vendredi soir, un très très bon week-end. Détendez-vous bien, portez-vous bien. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, à partir donc de 9h lundi, pour Café Matin, et ensuite, eh bien, nous continuerons Xeno 3. Voilà, merci d'avoir suivi tout ça. Ciao, bye bye et bon week-end. À lundi. Bon week-end, Rafifi. À lundi.